Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, assez spéciale parce qu'on va aller poser des pièges photos. Alors il y a quand même une grosse particularité aujourd'hui, c'est qu'on va aller les placer à moins d'1,5 km à vol d'oiseau autour de chez moi, donc j'ai vraiment super hâte, mais vraiment très hâte de voir ce que ces pièges vont pouvoir me réserver. Et surtout parce que je suis dans une campagne où les animaux sont pas forcément super actifs, ils sont assez discrets, et donc l'utilisation de ces appareils, ça va me permettre d'observer ces animaux sans forcément être là, à des heures qui sont parfois très compliquées pour l'observation. Ici, on est au premier endroit où je vais aller placer le premier piège photo. Je vais pas tarder parce que je pense que ça s'entend et que ça se voit, mais il fait mauvais. Il fait très mauvais et puis la météo, elle va pas aller en avançant, donc je vais me dépêcher. La météo des prochains jours va vraiment être catastrophique en plus, donc j'ai vraiment choisi la bonne période. Dans l'idéal, j'aimerais poser 5 pièges différents à 5 endroits différents pendant une semaine complète, donc pendant 7 jours. Je vais pas trop tarder parce que au plus tôt je les aurai posés et au plus tôt je pourrai aller les récupérer. Voilà, c'est parti! Grosse hésitation là pour l'instant. En fait, si je crois que je sais où le mettre. Juste ici là. Hop. C'est parti. Une semaine plus tard, on va récupérer les pièges photos. Je stresse énormément. On peut voir que les arbres commencent à arborer leur feuillage d'automne. C'est un peu plus jaune. Et voilà, là, vraiment, c'est un stress intense parce que la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que les pièges photos sont toujours là? Ah oui, je le vois de loin. Ok. Le premier piège photo est là. Incroyable. Il faut
vraiment que je me dépêche parce qu'il commence à pleuvoir de nouveau. Je vois que le tracteur est passé. Et le pêche photo est visible. Le pêche photo est visible directement du champ. Donc croise les doigts. Voilà, j'ai récupéré tous les pêches photos et puis j'ai récupéré toutes les images que j'ai mis sur le PC ici. Je n'ai encore rien regardé, je me suis laissé la surprise. Mais avant de commencer à regarder les images, j'aimerais tout d'abord remercier KIF Concept qui m'ont gentiment envoyé ce pêche photo. Ça fait très longtemps qu'on était en discussion avec KIF Concept pour que je teste leurs produits, mais très souvent ce n'était pas forcément adapté au contenu que je pouvais proposer. Et puis ici, on s'est mis d'accord sur le pêche photo et franchement c'est parfait parce que pour cette vidéo, bah, ça m'a été super utile, vraiment super utile. C'est un pêche photo qui peut faire de la 4K, alors j'ai testé ce mode là justement pour la vidéo, on va voir ce que ça va donner. On a un angle de vue de 120 degrés, ce qui est vraiment utile pour ne pas être trop serré et avoir beaucoup d'éléments dans l'image. Et puis moi il y a vraiment un élément qui m'a convaincu, c'est le système de lumière. Et ici c'est de la lumière infrarouge, ce qui est vraiment top parce que la lumière infrarouge elle est quasiment peu perceptible par les animaux. Donc à ce niveau là ça m'a vraiment convaincu. Maintenant on va voir ce que ça a pu générer comme résultat parce que c'est vraiment ça qui va influencer mon avis sur ce piège photo. Donc sans plus tarder on va regarder un petit peu ce que les différents pièges ont pu capturer comme image. Et on va aller dans l'ordre, donc on va regarder d'abord ceux du premier piège photo que j'ai posé. Alors là, inévitablement c'est moi. Donc là on est censé avoir le premier plan, il est 19h48. Il y a l'air d'y avoir un petit peu des gouttes là sur l'objectif. Il n'y aura rien sur celui-là. Alors je le vois très mal ici sur l'écran, mais il y a quelque chose en bas à droite là qui passe. Je ne sais pas exactement ce que c'est. On dirait un mustélidé. Est-ce que c'est une fouine ou une martre? Je vois pas très bien honnêtement. Ah, ici il y a quelque chose qui passe. On voit deux yeux, on distingue deux yeux. Ici on a un petit passage de chevreuil, c'est un brocard il me semble, je crois voir des bois. Wow, un renard, ok. Là pour le coup je suis vraiment super content. Le 3 novembre à 4h43 du matin. Et ici c'est moi qui vais rechercher le piège photo. D'accord. Bah mine de rien, pas grand chose comme résultat. Je suis quand même content parce qu'on a eu un passage de renard. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu de renard sur piège photo. Dans les alentours, donc pour moi c'est quand même une petite réussite. Donc ici c'est moi qui viens le placer. Ah, on peut voir deux chevreuils. 18h48, il y a même trois chevreuils. Je viens de voir qu'il y en a deux qui se confondaient là à gauche. Ça c'est vraiment chouette. Ils sont tous les trois là en lisière de bois. Il y a une chevrette, un jeune brocard et une autre chevrette. Ça c'est vraiment chouette. Elle va limite venir renifler le piège photo hein. Et c'est ce qu'elle fait, incroyable. C'est complètement fou. Et c'est cool, elle ne fouille pas. Donc elle a senti effectivement qu'il y avait une odeur, parce que forcément en déposant le piège photo j'ai laissé mon odeur dessus. Alors ça m'inquiète un peu, d'accord. Alors celui-là, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. Mais c'est un chat. Là c'est une petite déception, je vais pas vous le cacher. Ok, ici on a chevreuil. Oh, madame est venue plus proche du piège photo. Elle fait un peu la belle. Bah là du coup c'est la tempête quoi. C'est la tempête en fait qui a déplacé mon piège photo. On peut voir que ça bouge hein, quand même hein. Ah oui quand même. Et là on peut voir carrément mon piège photo qui est déplacé par le vent quoi. Oh, on dirait un troglodyte. Je crois que c'est un troglodyte. Et là normalement, voilà, ça c'est moi qui viens récupérer le piège photo. Ici on lance le troisième piège photo.
avec le soleil assez bas, ça rend très joli. Voilà, ça c'est juste moi. Deuxième plan, c'est toujours moi. Qu'est-ce donc? Ça c'est le lendemain matin. Ah non, même pas, c'est le 2 novembre. On est passé du 27 octobre au 2 novembre et il n'a absolument rien capturé entre ces deux dates-là. Là, on a du chevreuil de nuit, un brocard. Ça c'est au petit matin, ok. Bon bah du coup c'est une machine agricole. Il a pas vu le piège photo, j'ai pas l'impression qu'il m'a regardé. Ah, de nuit. C'est vrai qu'il travaille assez tardivement. 20h35. Tracteur. Tracteur. Oh tiens, un tracteur. Étonnant. Tracteur. 21h51, toujours le tracteur. Et je crois honnêtement que cela ne va être que du tracteur. Jusque 23h10. Tracteur. C'est moi qui viens chercher le piège photo, mais du coup pas grand chose sur celui-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un petit problème. Des plans de moi qui placent le piège. Alors ça, c'est moi qui viens vérifier si le piège photo n'a pas bougé, parce que c'est également une nuit où il y a eu beaucoup de vent. Waouh ! 28 octobre, 21h11. Un beau brocard. Très beau brocard. Il a remarqué le piège photo. Ça va. Et pas trop perturbé. Celui-là... Ah, au fond, on voit quelque chose qui passe. Un renard ? Alors, 18h39. On a un lièvre, on n'en avait pas eu, c'est cool. On a un passage de renard, super chouette. Un chat, mesdames et messieurs, un chat. Ah, il y a quelque chose au fond là, chevreuil. Ok, d'accord, on se rapproche. Là, c'est un autre individu, c'est un autre mâle, je crois. Là, il est de retour, 5h du matin, il y en a deux. Il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux. Ah, il y en a trois. Waouh, 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 waouh. Bah, je suis super content. Wow. Alors ça, ah. Bon, ils se sont arrêtés un peu plus loin, mais je crois qu'ils vont repartir ensuite. Non, ils marchent, ça va. Wow. Ok. 8h52 du matin, le 1er novembre. Ça, c'est vraiment chouette pour le coup. C'est vraiment chouette parce que je me dis qu'il y a une possibilité de les observer au matin avec une bonne lumière. Non, franchement, c'est cool. Je suppose qu'il y a les autres individus qui suivent derrière. Alors, 11h38, des cyclistes, des jeunes qui font du vélo. 23h, le 1er novembre, toujours les chevreuils. Bon là, je rassure, il n'est pas en train de fuir le piège. On voit son comportement, il fait aller sa tête comme ça en faisant des zigzags. Ici, c'est juste que le chevreuil est un peu jouette là. 10h04 du matin. Qu'est-ce qu'il y a à 10h04 du matin? Il y a du vent. La tempête, mesdames et messieurs, la tempête. 18h50, pas encore trop tard, mais quand même trop tard. 18h50, oh! Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment génial, ça. Il s'amuse, il est content, il vit sa vie. Hop, il repasse devant la caméra. 5h50, monsieur le renard, ou madame la renarde, je ne sais pas. 8h17, à première vue, je ne vois rien et j'ai faux parce que juste là au fond, il se confond bien avec la végétation, c'est un renard. 9h06 au matin, 4 novembre, chevreuil qui court, est-ce qu'il est suivi? Pardon, excusez-moi, j'ai pas vu que vous étiez une voiture de course. D'accord, 9h08, ne me dites pas qu'il refait un passage, si, il est en train de courir, il fait des tours, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et là il va revenir? Non, cette fois il a fini. 11h30 du matin. J'y crois pas. Je n'y crois pas. 11h33, le même, je suis... Les... Waouh. Waouh, 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 waouh. Toujours le même jour. Ça, c'est super, quoi. C'est génial. C'est moi qui viens rechercher le piège photo. Non, mais ce piège photo, il a régalé, là, pour le coup. C'était incroyable, là, ce qu'on a pu voir.
Alors certes, c'est que du chevreuil, mais je pense qu'il faut quand même s'émerveiller par des petites choses du quotidien. Et même si c'est un animal assez commun, on a eu des comportements. Personnellement, ma petite récompense, c'est de voir qu'ils sont actifs. Pas seulement que durant les heures où il fait sombre, mais également quand on est en plein jour. Ici, sans grande surprise, bah, c'est moi qui viens poser le piège photo avec mon setup pour faire des plans. Voilà. La qualité est vraiment correcte. Premier plan de nuit, minuit 11. Il y a un truc qui passe en haut à gauche là. Ici on a du chevreuil qui court. Il y a quelque chose qui passe dans le fond. Malheureusement il passe un peu loin du piège, donc on ne peut pas vraiment voir quelle espèce c'est. D'accord. Waouh ! 15h50. On a un autre chevreuil qui passe ici à droite. Il s'arrête. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de vent. Il y a un truc qui passe au fond de nouveau, mais très difficile de voir ce que c'est. Alors là, je dis oui. D'accord. Il va pas se passer grand chose. Bon, ici du coup les mêmes chevreuils. Ah, il y en a une qui est en train de manger. Est-ce qu'il se passe quelque chose de spécial? Ah, il y a un quatrième chevreuil qui arrive. Un peu plus loin là. Ils vont se déplacer, je crois. Il y a la chevrette qui vient de se lever. Il y a un cinquième chevreuil, je pense pas que c'est celui qui était à droite. Midi 8. De nouveau les chevreuils, mais c'est le bois aux chevreuils ici. À 16h. 17h05, le 5 novembre. D'accord. Ok. Ça, c'est super cool. On a le même renard qui passe cette fois dans l'autre sens. D'accord. Il a l'air d'être en forme. 17h46, le même jour. 18h10, toujours un chevreuil sous la pluie cette fois. 18h18, le même jour. 5h44 du matin. On a un renard qui passe, certainement le même. Ok, c'est cool. 7h31, les chevreuils. C'est bien parce que le piège photo déclenche pas trop tard. Et là, c'est moi qui viens chercher le piège photo. Je suis vraiment super content. Le piège photo de KF Concept fonctionne vraiment super bien. Je l'ai placé dans un endroit qui est inévitablement assez sombre quand c'est la nuit. Donc, on voyait pas forcément très loin. Mais, par contre, il a su capter les mouvements qui étaient quand même à plus d'une dizaine de mètres du piège photo. Et il a déclenché. Donc, ça permet de savoir qu'il y a quand même du passage, même si on n'identifie pas forcément l'animal qui passe. Je vais vous mettre un petit lien dans la description pour vous procurer le même piège photo. Je vous le recommande. Vraiment, honnêtement, là, c'est pas parce qu'ils m'ont envoyé ce produit que je vous le recommande. Je vous le recommande parce que c'est un produit, en termes de qualité-prix, qui est au top. Et en plus de ça, ils vous fournissent une carte SD avec et des piles. Donc vous avez vraiment tout pour l'utiliser dès le début. J'ai vraiment fait beaucoup de découvertes. Je suis super content. De ce que j'ai pu voir, et puis ça me réconforte dans l'idée qu'il y a quand même de la vie là où j'habite. Il y a quand même de la vie, c'est juste que c'est toujours un petit peu compliqué d'être au bon moment, au bon endroit. Sur ce, je vous dis à bientôt. Il y a de très grosses vidéos qui arrivent très prochainement, donc restez à l'affût, et puis je vous dis à de prochaines aventures. Salut.